relancer le championnat de la Ligue Volleyball Région Ouest pour la saison 2013-2014. Comme nous connaissons déjà, la saison 2012-2013 était bien finie. Et nous comptons que, et pour nous dire que, au niveau de la Ligue, nous considérons le bilan très positif. Parce que nous avons fait plusieurs championnats, nous avons fait la première division, la deuxième division, moins de 18 ans. Donc nous avons une Coupe de la Ligue là, que nous avons recommencé avec les, pendant plus de 10 ans que le Padjam était fait. Donc nous avons commencé avec l'année ça. Encore une fois, donc l'année ça n'a pas dérapé avec compétition et n'a pas dérapé avec Coupe de la Ligue là. Contrairement avec les gens qu'on fait l'année avant, qu'on commence avec championnat régulier avant et puis par la suite nous avons Coupe de la Ligue. Donc l'année ça nous fait l'inverse. Nous avons commencé avec Coupe de la Ligue pour deux raisons. Premièrement, pour le cas servir comme une sorte de mise en jambe pour toute l'équipe yo, parce que quand même ça fait 3 mois que en préparation. Donc nous avons baillé tout le monde chance pour qu'il ait entré en lice. Et puis deuxièmement tout, donc c'est une possibilité que la pied pour tout club yo pour qu'a ensemble ouais qui gens que yo ka bay un autre challenge. Donc n'a bien club de première division yo, n'a bien club de deuxième division qui a joué ensemble et cette année pour la première fois n'a bon championnat de moins de 23 ans dans catégorie monsieur. Donc équipe moins de 23 ans tout y a participé dans championnat ça. Donc en gros c'est ça et samedi prochain, samedi 30 novembre, n'a lancé Coupe de la Ligue à 3h de l'après-midi dans collège Saint-Pierre. Donc nous attendons tout le monde, nous espérons que nous avons fait des déplacements en grand nombre et que nous avons fait une belle ouverture samedi prochain. Pour la Coupe de la Ligue, nous avons bien 10 équipes dans la catégorie Monsieur et nous avons 8 équipes dans la catégorie et Mesdames. Dans 10 équipes, nous avons bien 4 équipes de première division, voilà comme Monsieur, nous avons bien 4 équipes de deuxième division et nous avons bien 2 équipes moins de 23 ans qui ont participé là-dedans et puis Mesdames, nous avons bien 8 équipes. Année ça et jusqu'à présent, bon, on va pas dire jusqu'à présent, et nous n'avons pas bien club ça dans le championnat. Et en parlant de volley 2000, Banzai et puis Apex. Donc je ne te connais déjà, l'année dernière, le club a été décidé volontairement de retirer dans le championnat de Ligue 1. Donc et par la suite, à retirer volontaire ça, comme sanction que Ligue 1 te prend, elle te prend sanction pour ne pas participer dans le championnat pendant un an. Donc c'est-à-dire sanction, effectivement, elle commence à partir de octobre mois ça, et la finit en septembre de l'année prochaine. Donc maintenant, l'élément d'information que je connais, nous, c'est que je connais que la fédération te mettez en commission spéciale sur pied pour te voir dans qui mesure que tu as peut-être ouais qui solution tu as peut-être joindre et suite à recommandation commission ça fédération lui-même ils font l'autre note sortie. OK, côté que lui fait une proposition pour le réduire sanction ça de 6 mois au lieu de 1 an, donc c'est-à-dire qu'il a commencé en octobre et qu'il a fini en mars, mais sauf que gon seule condition pour sanction ça réduire, faut que 3 clubs ça font lettre d'excuse publique que le supposé voyer par et fédération et publié dans la presse. Si vous décidez de faire, à ce moment-là, la sanction a réduit à 6 mois. Maintenant, si vous même pas décidé de faire, la sanction a appliqué, je ne te prévois, c'est-à-dire qu'elle a commencé de octobre à année ça à septembre de l'année prochaine.